prison, ça fait 22 ans que tu t'es enlevé la vie. Pour moi, c'est comme si c'était hier. J'aurais aimé ça être là pour toi. J'aurais aimé ça que tu me parles, que tu me dises que tu souffrais, que tu avais mal en dedans. Ensemble, on aurait passé à travers. On aurait trouvé des solutions. Mon frère, on aurait dû parler. Chaque jour, 3 Québécois sur 10 s'enlèvent la vie. En cette semaine de prévention du suicide, on s'intéresse aux façons de changer cette triste statistique. Et pour le faire, on reçoit en studio la formatrice en prévention du suicide à la Maison sous les arbres. Donc, c'est un centre de crise dans la région. Isabelle Simard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, dans un premier temps, dites-nous, souvent, quand quelqu'un s'enlève la vie, on se dit « Ah, j'ai pas vu ça venir, il n'y avait pas de signe ». Donc, c'est quoi les principaux symptômes, peut-être, de quelqu'un qui a des idées noires ou… Dans le fond, on a souvent l'impression qu'on n'a pas vu les signes. Par contre, les gens qui ne vont pas bien dans notre entourage, on voit qu'ils ne vont pas bien. Il y a souvent une situation, que ce soit une rupture amoureuse, une perte d'emploi, on s'explique en disant bien, c'est normal qu'ils se sentent comme ça, un peu plus déprimés, qu'ils s'isolent. Souvent, qu'ils aient changé de... peut-être. Tout à fait. Il y a souvent une situation qui explique le comportement chez la personne, mais c'est qu'on ne se doute pas jusqu'à quel point il y a une souffrance qui est reliée, puis jusqu'à quel point la personne ne va pas bien. Donc, on va souvent résumer ça, ça s'explique, il est en rupture, c'est normal, ça va passer. Par contre, il y a des gens où la souffrance prend trop de place à un moment ou à un autre, puis va faire un geste suicidaire. Donc, c'est là où nous, on dit, bien, il faut s'attarder aux signes. Et le seul moyen de savoir si quelqu'un a des idées suicidaires, c'est d'aller poser la question directement, donc à la personne. Donc là, c'est dans le comment. Hein? Les gens ont peur un peu de poser cette question-là. Ils ont des petites résistances en se disant, bien, ça va-tu lui donner l'idée? Si j'y parle de suicide, qu'est-ce que je vais faire? Ça me dit oui. T'sais, c'est beaucoup la réponse qui nous fait peur plutôt que de poser cette question-là. Donc, du moment où on a quelqu'un qui ne va pas bien dans notre entourage, c'est important d'aller voir jusqu'à quel point cette souffrance-là prend de la place et de lui demander tout simplement là, en disant, bien, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des idées suicidaires. Est-ce que toi, t'en as? Est-ce que cette situation-là est assez souffrante pour t'amener à penser des fois, dire, bien, je serais mieux mort, je serais mieux de m'enlever la vie? Parfois, on va la poser, parfois, il y en a qui vont dire non, puis ce ne sera pas le cas non plus. Donc, Parfois, ils vont dire non. C'est rare que. Habituellement, plus on va être direct, plus les gens vont nous répondre la réponse. La raison est simple, c'est que les gens s'isolent, ont peur d'en parler, peur d'être jugés. En disant, si j'en parle, vont-tu avoir des jugements par rapport à moi? Donc, la majorité des gens, quand on va leur demander « Est-ce que tu as des idées suicidaires? », vont nous répondre « Oui », et ça brise l'isolement. Et enfin, le discours commence et la parole peut s'installer et là, on peut prendre soin de la personne. Et c'est vraiment un soulagement pour eux de pouvoir en parler habituellement. Et dans la région, c'est quoi les ressources qui existent pour les gens peut-être qui sont en crise ou en détresse, là, qui auraient des idées noires? Bon, il y a la Maison sous les arbres. Vous faites quoi exactement? Bien, nous, on offre différents services, mais principalement, c'est une ligne d'intervention téléphonique qui est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Donc, la porte d'entrée, c'est vraiment par le centre de crise. Et on accueille les gens qui ont des idées suicidaires, mais aussi les proches qui pourraient avoir des inquiétudes, qui ne savent pas comment faire, puis dire comment je pourrais poser la question, comment lui parler du suicide, puis je t'inquiète. Donc, nous, on peut, à partir du téléphone, supporter les proches et les personnes suicidaires aussi. Puis après ça, on pourra offrir du suivi en face-à-face, de l'hébergement. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place là, pour les gens. Puis annuellement, vous intervenez auprès de combien de personnes? On a à peu près 15 000 appels par année. Donc, puis au niveau du suivi, là, les chiffres me manquent, là, mais on fait quand même du suivi face-à-face régulièrement et de l'hébergement aussi. Là. Donc, on rappelle aux gens à la maison qui auraient peut-être des idées noires que c'est important d'en parler et de se tourner vers les ressources qui existent. Isabelle Simard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Notre fils Maxime nous a quittés alors qu'il venait d'avoir 16 ans. C'était un choc. On ne s'y attendait pas du tout. On n'a rien vu venir. Je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on ne voit pas parce que la personne ne veut pas nous le montrer. Je suis Michelle, professeure à l'Université de Montréal et maman endeuillée par suicide. Pour me reconstruire, j'en parle ouvertement à mes étudiants et je leur demande trois choses. La première, c'est que s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils en parlent à quelqu'un, un proche, un inconnu, une ligne téléphonique. La deuxième chose, si quelqu'un vient vous parler de son mal-être, soyez une oreille attentive, sans jugement et surtout sans commentaire. Et la troisième chose, portez pas le tout sur vos épaules. Allez chercher de l'aide pour pouvoir aller aider la personne. Il y a des ressources pour ça et il faut les consulter. Parler du suicide sauve des vies. Visitez commentparlerdusuicide.com.